Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une affiche dite rétro vintage à l'aide des logiciels Illustrator et Photoshop. Donc c'est un tuto qui va être assez long, on va quand même euh, bosser euh, pas mal de temps ensemble, mais on va s'amuser tout au long de, du tuto, vous allez voir. Parce que dans un premier temps, sur Illustrator, on va venir poser tous nos éléments en noir et blanc. Donc euh, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de polices différentes. On va configurer euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de choses, comme le corps de la, des polices, euh, l'interlignage, la, la chasse, l'échelle, etc., etc. Bon une fois qu'on aura posé tout ça, on verra comment importer euh, nos éléments vectoriels dans Photoshop. Mettre un petit peu de couleur hein, pour égayer tout ça, et puis euh, grâce à une texture euh, bah, que vous voyez ici, un peu grunge, hein, euh, on verra comment l'insérer, euh, comment changer un petit peu sa couleur, et puis surtout comment, à l'aide de euh, plusieurs brushes venir salir un petit peu le document, déstructurer, vous voyez les lettres, etc. etc. Allez c'est parti, je vous retrouve tout de suite, on démarre tout ça. Je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Mais avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source que vous trouverez en dessous de la vidéo. Donc c'est un lien tout simplement. Vous téléchargez donc ce fichier. Pourquoi Parce que tout simplement, à l'intérieur de ce fichier, vous voyez, on va voir différents dossiers dont un qui va comporter des brushes, un autre euh, des polices, on va utiliser pas mal de polices différentes, et puis euh, tout simplement un autre dossier qui va nous servir un petit peu plus tard sur Photoshop pour de l'intégration de textures. Donc là dans un premier temps on ouvre le dossier brush, on sélectionne ces deux brushes, on les copie, et puis on va venir les installer dans euh, Photoshop, donc dans le dossier application. Dans le dossier Photoshop, dans le dossier Preset et dans le dossier Brush, on va venir les coller directement ici. Je ne le fais pas parce qu'elles y sont déjà. Alors, si vous êtes sur Windows, c'est exactement pareil. Hein, ça doit être dans Programme Program Files, Adobe, Photoshop. Euh, et puis, vous allez retrouver exactement les mêmes dossiers un hein, Preset et puis Brush, et vous installez ça dedans. Nous allons maintenant copier les polices. Donc, on ouvre le dossier Font. On va venir tout copier et on va venir tout coller dans bibliothèque et dans fonte et là hop on fait un clic droit coller ou on fait juste un double clic sur le dossier et on vient les glisser. Donc bien sûr faudra les extraire avant parce qu'il y en a qui sont zipés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Euh, donc tous les points zip faudra les extraire bien sûr et vous les glissez dans votre dossier fonte. Pour les utilisateurs Windows, euh, normalement, vous allez dans le panneau de configuration et vous devez avoir un dossier police. C'est pareil, vous les copiez ou vous les euh, faites glisser dedans. Allez, c'est parti, on commence. On ouvre Illustrator. On crée un nouveau document en appuyant sur Ctrl N ou Commande N si on est sous Mac. On ne met pas de nom, c'est pas bien grave. Au niveau de la taille, bah là, on peut peut-être se baser sur du A4. Hein, parce que même si on fait du A3, euh, on va garder le, bah, le même ratio. Donc on va partir sur du A4. Ça va nous faire un document un peu moins lourd. Et on ne met pas de marge ni rien. On valide. Voilà, parfait. Sauf que là, mon format, il est en mode portrait donc ici on fait attention de bien se mettre en orientation ici en mode euh, enfin, en mode paysage et non pas en mode portrait comme j'étais voilà on fait ok et on va venir afficher les règles si elles ne sont pas affichées comme moi on appuie sur commande ou contrôle et R pour les faire afficher vous voyez très facile. On sait que notre document fait 21 cm ou 210 mm de large par 29,7 ou 297 mm de haut. Donc on va venir récupérer dans les marges, vous voyez ici, au niveau des règles, on vient cliquer dessus, on reste appuyé et on va venir se placer à peu près hein, à 10,5. Pour, euh, bah pour faire pour mettre un repère tout simplement au milieu du document. Donc 18,5 étant la moitié de 21. Donc là on est à 10212, euh, 10,2, 10,4. Donc là on est à peu près à 10,5, voilà. Donc pour être plus précis, hein, vous pouvez zoomer. Vous voyez. Donc là on est, on est à peu près bon. Hein. C'est pas très grave si il euh, y a un petit millimètre de décalage. C'est pas grave. Alors, avant toute chose, pareil, petite astuce du jour. Vous voyez, j'appuie sur la barre d'espace. Il y a une main qui euh, apparaît à la place de la, ma petite flèche noire. Tout simplement pour pouvoir, vous voyez, me diriger dans mon document. Donc c'est très très pratique. Ça évite de scroller ici, vous voyez, ou euh, de l'autre côté, comme ceci. C'est même très pratique quand on zoome à fond sur un élément, ben, ça nous permet de nous déplacer dans la page rapidement. Donc je vous rappelle pour zoomer CTRL ou Commande Plus, et pour dézoomer, Ctrl ou Commande moins. Allez, on va commencer par écrire notre premier texte. Donc on se place tout simplement sur l'outil texte, hein, raccourci clavier T, et on vient cliquer n'importe où. Là on va venir taper, bon, à titre d'exemple, hein, euh, teammate. Voilà. On se replace sur la petite flèche. Et là, on va venir directement lui appliquer une police. Donc là, vous avez une police qui doit s'appeler Titilion. Et on va se placer en régular. Donc le régular, il faut venir le trouver. Régular italique. Régular, irrégular. Donc, si je me mets en signe, ok, et ici, je peux peut-être récupérer le régular. Voilà. Donc, vous pouvez apporter, euh, appliquer n'importe quel style à la police. Juste en dessous, ici, vous voyez, vous pouvez changer. Euh, du coup, ça graisse. Donc, là, on va se mettre en régular. Euh, on clique donc sur notre groupe de mots, et juste en dessous, ici, vous voyez qu'on a des petites icônes. Alors, c'est quoi ces petites icônes bah, Tout simplement, quand. Si on clique sur cette icône avec les deux T, on vient mettre le mot en capital. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. Donc on va laisser sans en capital. Par contre, on peut peut-être euh, écraser un petit peu la police. Donc généralement, c'est pas très bien de le faire, mais là, c'est une police qui est quand même assez, euh, bah, qui est assez large, je trouve. Donc je, je trouve pas ça très, très, très chouette. Donc soit on vient l'écraser tout simplement en venant étirer ici, hein, ou réduire ou tout simplement en changeant ici l'échelle horizontale. Donc on peut se mettre, euh, on était à peu près bien, on se met en 88, c'est très bien. Voilà. Donc là, vous voyez que quand on clique sur le groupe de mots, donc on a des petites poignées, à gauche, au milieu, là l'idée c'est de se placer sur le repère du milieu, pour être vraiment au milieu absolu du document. Donc la petite poignée du milieu, on, euh, on la place sur, le, sur notre paire que l'on vient de placer précédemment ici. Voilà, donc là je, je sais que je suis bien, je suis au milieu. Maintenant euh, on peut peut-être augmenter le corps, se mettre en 15. Hein. Là on était en 12. Et du coup se replacer au milieu. Voilà. Ok, donc là on est bon. On enchaîne, hein. on... on reprend l'outil texte on clique n'importe où sur le document et là on va venir taper une formation voilà on reprend notre outil flèche on peut se placer au milieu si on veut par contre là on va pouvoir lui appliquer une police différente par exemple on va venir chercher la douc fil voilà donc c'est une police qui est assez grasse on va venir changer le corps on va se mettre en 150, là, on va vraiment euh, mettre une police... Il euh... bah, faut que ça soit visuel, hein, on va dire que c'est le titre principal de l'affiche. Donc, euh... donc, de toute façon, c'est ce qu'on va faire, on va jouer que sur le corps des polices pour mettre les informations les plus importantes, bah, évidemment, en plus gros. Les informations les moins importantes, on mettra un corps inférieur. Donc ça, on verra juste un petit peu plus tard. Donc là, on se met en 150, on a un bon impact visuel, c'est bien. Au niveau de, euh, de l'échelle horizontale, on peut se laisser en 88, c'est pas, pas trop mal. Et puis, euh, et puis voilà, donc on essaye de bien se replacer au milieu. Comme ceci, c'est pas mal. En dessous, on va venir récupérer encore l'outil texte et on va venir taper, euh, par exemple, Illustrator. Donc ça reprend le style précédent. Donc pas bien grave. Hein. On a juste à recliquer sur la petite flèche noire on peut descendre pour y voir plus clair et changer encore bah, soit le corps hein, de se remettre en par exemple en 50 pixels et voilà se caser en dessous là on va lui appliquer une police différente hein, parce que bon le style ce style vintage euh, crée que en typographie généralement il y a beaucoup beaucoup de polices hein. c'est vrai que ça détruit un petit peu le code euh, on va dire euh, du graphisme actuel où on dit qu'il faut pas euh, faut pas me mélanger plein de polices faut faut éviter d'avoir deux, deux ou trois polices euh, plus de deux ou trois polices différentes sur euh, sur sa création là on détruit un peu tout ça toutes ces règles on va mettre à peu près une dizaine de polices différentes, mais c'est pas grave, ça va être très 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 euh, illustré, cette affiche. Donc du coup, on va venir se placer donc dans la barre de recherche, et on va taper homestead, et on va se mettre en inline. Voilà, homestead, inline. Au niveau du corps, on va peut-être baisser un peu tout ça, hein. on va se mettre en... 42 à peu près, ça me paraît bien. Au niveau de son approche, alors on n'a pas encore parlé de l'approche. Donc là on a parlé de l'échelle horizontale, c'est quand on étire d'un côté ou dans l'autre. Bien sûr, on modifie l'échelle horizontale. Et l'approche, ça va être tout simplement l'espacement qu'il va y avoir entre les lettres. Alors si on met une approche assez grande pour vous, à titre d'exemple, vous voyez que l'espacement entre les lettres... À augmenter, on revient en arrière en faisant CTRL Z ou CMD Z, et à l'inverse, on peut lui mettre une valeur aussi négative. Hein, si euh, vous avez une police euh, qui par défaut a une approche qui est assez, assez grande, vous voyez, vous mettez par exemple, donc bien sûr, on sélectionne d'abord le mot, on lui met une approche négative, moins 50, et là vous voyez, les lettres bah, du coup se, se sont rapprochées, sont même limite collées les unes aux autres. Donc là, au niveau de l'approche, on va se mettre en moins 20. Donc, je refais, on se met en moins 20 et puis bon, on essaye de se caler hein, par rapport à la police du dessus hein. donc on peut donner des coups de flèche directionnels hein, pour être plus précis voilà alors on met une formation illustrator et alors euh, j'ai bien envie de voilà, mettre un et comme ça illustrator et Photoshop. Par contre, le petit e, on va venir lui mettre une police différente. On va se mettre en The Notigal Rob, Voilà, on peut augmenter légèrement euh, le corps aussi. On sélectionne du coup le petit e, on se met encore 65. Ça me paraît bien. Son, euh, son échelle horizontale, on va se laisser hein, en 88 pixels. Et par contre, le Photoshop, ici, on peut venir tricher un petit peu, augmenter son corps, se mettre en 45, et son, à, son approche aussi, lui mettre une approche bah, plutôt positive, et euh, peut-être se mettre en 50 pixels, voir ce que ça donne. Ok, donc c'est peut-être un peu trop. Donc on peut resélectionner le mot Photoshop. Descendre un petit peu, se mettre en 40. On voit qu'on a encore de la marge, donc on peut peut-être se mettre en 20. On a encore de la marge, donc en fait, euh, on va rester. Ah, non, pas sûr. On, peut, on va peut-être bien se mettre en valeur négative, quoique non. On va laisser son approche, du coup, à 0. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. On peut venir descendre tout ça un petit peu. Donc là si vous trouvez que vous êtes un petit peu trop gros hein, au niveau de l'affichage, rien ne vous empêche de dézoomer. Donc là c'est pas très joli, on est en noir et blanc. C'est normal, hein, on est là pour poser nos éléments et le fait de mettre en noir et blanc, ben, ça nous aide quand même parce que par exemple si euh, on voit que le mot illustrator et le mot photoshop euh, ben, prennent beaucoup d'importance, on va dire visuellement, ben, rien ne nous empêche de baisser un petit peu, vous voyez, sa couleur, fin, de se mettre en gris un peu plus clair, tout simplement pour faire ressortir ben, les informations que l'on veut faire ressortir sur notre création, voilà. Donc là pour l'instant, je vais laisser ça en noir parce que c'est quand même assez important. Et euh, bah là, on va pouvoir faire un petit rectangle. Donc on va venir prendre l'outil rectangle et on va tracer. Alors, soit on trace un rectangle comme ça à la main, un petit liseré, hein, ou on sélectionne l'outil rectangle, raccourci clavier M, et on vient juste faire un clic. Vous voyez, juste un clic n'importe où sur le document. Et là, on peut lui spécifier une largeur, donc exprimée ici en millimètres. Hein, mais vous, vous pouvez configurer aussi votre Illustrator pour que votre unité de base soit le centimètre, si vous voulez. Donc, par exemple, euh, vous voyez, on peut se mettre en 80 mm en largeur et puis en hauteur, et ben on se met en, allez, en 2 mm. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Mais j'aurais peut-être pu me mettre en 1 mm, du coup, je trouve que c'est un peu trop large. Donc je me mets en 80 mm de large et 1 mm en hauteur. Et je viens tout simplement, vous voyez, souligner le mot Illustrator. Je vais faire exactement pareil avec le mot Photoshop. Alors, on peut venir dupliquer ce liseré. Hein. On vient cliquer dessus, donc on se met bien sur la flèche noire ici. On clique dessus, on appuie sur Alt, vous voyez. Donc si j'appuie sur Alt, là je le duplique n'importe où sur le, sur le document. Si j'appuie, donc si je clique dessus, que j'appuie sur Alt, que je le déplace, mais en même temps que j'appuie sur Shift, et eh bien vous voyez que je reste, je le duplique, et je reste droit par rapport à mon élément qui est posé euh, initialement. Voilà. Donc là on est peut-être un peu large, on peut réduire un petit peu le trait, euh, voilà. Ok, parfait. Maintenant, on va venir créer des petites étoiles. Alors, pour créer des étoiles, c'est très simple. Hein. On reste appuyé ici, vous voyez, sur l'outil rectangle. On reste donc appuyé pour que cette petite fenêtre s'affiche. Et là, vous voyez qu'il y a différents outils. On vient sélectionner l'outil étoile. Donc, comme pour euh, le petit liseré que l'on a créé, plusieurs techniques, en fait. Soit on vient cliquer. On vient spécifier euh, au niveau des points, bah forcément 5 points, puisqu'une une étoile a 5 branches. Mais on peut venir modifier si on veut le rayon 1 ou le rayon 2. Voilà, donc là, par défaut, là, il va nous faire une étoile, ok. Hein. Mais si on avait spécifié, vous voyez, par exemple, 10 points, il nous aura fait 10 broches. Alors, je supprime. Je vais tout supprimer aussi, donc là... Je me replace sur l'étoile, je clique, je lui dis qu'on veut bien 5 broches, ok. Si je resupprime, tiens encore une fois, et qu'à main levée, maintenant je fais mon étoile, donc vous voyez que si je, je peux pivoter avec mon, ma souris hein, pour lui donner une direction et une, une taille à mon étoile, si j'appuie sur Shift, bah du coup euh, je peux plus lui donner de direction. Mon étoile reste droite, donc c'est parfait, c'est ce que je veux. Mais regardez si j'appuie sur, sur commande en même temps, eh bien, je peux modifier le rayon comme on a vu tout à l'heure. Qu'on a cliqué, vous voyez, il y avait rayon 1, rayon 2. Je peux venir modifier mon rayon 2 en appuyant sur commande ou contrôle si vous êtes sous Windows. Donc là je fais mon étoile, ok, j'appuie sur commande. Donc je modifie comme je veux, vous voyez, mon rayon voilà ça m'a l'air bien par contre elle est peut-être un petit peu grande cette étoile, donc on appuie sur shift pour rester droit, pour garder les proportions et on vient réduire tout ça en, euh, en cliquant vous voyez, sur une des petites poignées, soit en haut soit euh, en bas soit à gauche ou à droite enfin, bon. du moment l'important c'est d'appuyer sur shift et de cliquer sur une petite poignée donc on va pas la réduire euh, tout de suite, tout de suite euh, en tour et kiki, ce qu'on va faire on va venir la dupliquer donc vous vous rappelez, on appuie sur Alt, on appuie sur Shift, on reste droit, on va, les, on va la mettre à peu près ici. Là l'idée c'est de, euh, de la dupliquer plusieurs fois en fait cette étoile sur une même ligne. Donc au lieu de dupliquer à chaque fois, vous voyez une étoile comme ça, hop, comme ça, hop, pour me faire une ligne d'étoiles, il y a une petite technique bah, qui est assez sympathique qu'il faut connaître. Donc, du coup, c'est cette technique. On crée notre étoile, on la duplique un petit peu plus loin. Donc, on fait bien attention de rester sur la même ligne. Et là, on va venir cliquer sur l'outil dégradé de forme. Si on double-clique sur cette icône et que dans l'onglet on vient chercher étapes, on, on peut lui spécifier euh, bien, les étapes de duplication. Donc, par exemple, si je mets trois étapes. Et que je clique, donc, faut bien sélectionner cet outil, hein, que je clique sur cette étoile et sur cette étoile, bah, vous voyez qu'il me l'a dupliqué trois fois. À l'inverse, hein, si je redouble-clic et je lui spécifie dix étapes, il vient me la dupliquer dix fois. Bon, là, du coup, c'est pas terrible parce que euh, il a plus de place pour, mon pour me les dupliquer, donc euh, elle se chevauche. Donc, ce qu'on qu aurait pu faire, c'est par exemple l'éloigner un petit peu. Et euh, du coup, ben recliquez là, recliquer là, et là ça me l'aurait bien redupliqué 10 fois. Donc en gros là j'en ai 12. Bah oui, si j'ai 10 duplications, plus 2, ça fait bien 12. Je vais me replacer là, je vais lui dire euh, qu'en fait je veux qu'il me la duplique allez, 8 fois. On va voir ce que ça donne. Bon là c'est peut-être un peu écrasé encore. Je vais m'espacer, hop, comme ceci. Très bien. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais euh, si je veux récupérer juste une étoile, comment je fais Parce que là, tout est groupé, euh, je ne comprends pas mon petit Damien. Et bien, bah, c'est très simple en fait. Vous avez juste à cliquer sur Objet, Décomposer. Vous faites OK. Et là, vous voyez, vous pouvez euh, du coup interagir sur... Sur chaque étoile. Alors là, tout est groupé maintenant. On a juste à cliquer sur Objet Dissocier. Et là, voilà, on peut venir dissocier tout ça. Là, c'est pas le but de tout dissocier. Là, le but, c'est d'en dupliquer à peu près 8 pour qu'il y en ait une dizaine et de les réduire pour. Tout simplement faire une petite ligne d'étoiles. Voilà. Alors, bien sûr, on essaye de se recentrer par rapport à notre paire. OK. Donc là, vous voyez l'espacement, maintenant, on ne peut plus le gérer puisqu'on a tout décomposé. Donc, ça à vous aussi de gérer l'espacement. Euh, et pour gérer l'espacement qui est entre les étoiles, il faut bien sûr gérer le nombre d'étapes. Voilà. Donc, c'est une petite astuce à connaître sous Illustrator. Maintenant on va venir créer un petit ruban. Vous allez voir que c'est très très simple. On prend l'outil rectangle. Hop, on vient cliquer juste n'importe où enfin, n'importe où sur le document. Et puis euh, on va lui spécifier une valeur. Alors il faut savoir qu'on peut lui spécifier aussi une valeur en pixels. Par exemple, si je mets 80 pixels de large, donc 80 px, et en hauteur si je mets euh, 15 px. Et que je valide vous voyez il me crée donc euh, il me crée bien mon rectangle c'est peut-être un peu petit donc on va venir élargir tout ça Tac. on essaye de se placer encore au milieu on peut peut-être euh, venir étirer un petit peu dans le sens de la hauteur voilà bon, ça me paraît bien donc là voilà on a fait notre rectangle maintenant on va voir comment couper les bords de notre rectangle comme un petit ruban, hein. comme euh, on retrouve souvent dans, dans les créa vintage. Vous allez voir que c'est très simple. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir changer la couleur du rectangle pour y voir plus clair. On va se mettre en gris, tiens, n'importe quel gris. Hein. Et là, on va venir prendre l'outil étoile. On va venir cliquer n'importe où pour lui spécifier donc trois points. Alors, là, vous me dites je comprends plus là si tu mets trois points en bien, ça a pu faire une étoile. Bah non, mais si on fait on met trois points, ça va nous faire un triangle. Donc là, si on le fait à moins élevé, on appuie bien sur Alt et Shift pour rester droit. Voilà. Ça on peut changer sa couleur hein, là, se mettre en gris un peu plus foncé. Donc on fait notre euh, notre petit triangle. On peut venir l'étirer un petit peu, l'agrandir, et là, on va venir le faire pivoter. Alors, vous voyez, vous vous mettez dans un coin, vous prenez bien la flèche noire, là, vous, vous mettez dans un coin, vous attendez qu'il y ait la double flèche qui apparaisse. Dès que vous avez la double flèche, vous cliquez, vous appuyez sur Shift, tac, et puis vous essayez de le positionner, donc le pic euh, en direction de la gauche. Là, on essaye de se positionner de façon à recouvrir, vous voyez, le bord ici en haut à, en haut à droite et en, haut et en bas à droite, avec le petit triangle. Donc là, je suis pas mal. On pourrait peut-être encore une dernière fois. Voilà, on a tout recouvert. Et là, on va venir. Donc c'est très important hein, de bien le mettre en premier plan par rapport donc, au rectangle. On va venir tout sélectionner et on va venir afficher les finder. Alors si vous n'avez pas les finder d'afficher, vous cliquez sur Affichage, sur Fenêtre, pathfinder. Vous allez voir cette petite fenêtre qui va apparaître. Et là, on va venir cliquer sur soustraction. Et vous allez voir ce que ça donne. Tac. En gros, ce qui s'est passé, donc je reviens en arrière, c'est que l'élément qui est au premier plan s'est soustrait à l'élément qui est en arrière-plan. Je refais la manip, je comme on sélectionne les deux, je clique sur soustraction, et voilà, comme par magie, euh, l'élément s'est bien soustrait. Donc, je suis peut-être aller un peu trop vite parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a dupliqué en fait ce calque, donc on fait des, des petits CTRL Z ou CMD Z pour revenir en arrière, hein, on le reduplique re ce calque, on le repivote en appuyant sur Shift et on fait la même chose, hein, on essaye de se placer comme ceci. On peut redonner des petits coups de flèche directionnelle, voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut soustraire plusieurs éléments aussi qui sont en premier plan au, euh, à l'élément d'arrière-plan. Comme on fait tout de suite, hein. regardez, on sélectionne ces trois éléments et on soustrait. Et voilà, on vient de créer notre petit ruban. Ok, donc là c'est pas mal. Bon, ce qu'on aurait peut-être pu faire aussi, si on revient en arrière, c'est sélectionner donc, ces deux triangles, juste les deux triangles, et peut-être venir les étirer un peu. Parce que là, je trouve que le ruban, il est un petit peu trop creusé. Voilà, on vient les étirer un petit peu. Et du coup, vous voyez, ça nous laisse... Tac, on peut venir reculer tout ça. Voilà. Donc le trou sera un peu moins important, en fait, dans le ruban. Alors, on refait la même manip. Ok. On sélectionne donc ces éléments, on les soustrait. Ok, voilà, ça me plaît un peu mieux. Donc là, on peut dézoomer et c'est reparti. Hein. On vient récupérer l'outil texte euh, et on vient écrire n'importe où. On vient cliquer n'importe où pour écrire. Donc là, j'ai mis n'importe quoi. Hein. Durée. Donc là, on est encore. Ah oui, on a gardé la police, euh, l'ancienne police. Bon, c'est pas grave. Durée. On va se mettre en Durée tirée 3h30. Donc on sélectionne cette police. Enfin ce groupe de mots. On vient changer la police. On va mettre quelque chose de plus lisible. Hein. On va se mettre en bébasse nœud. Voilà. Et on va essayer ben, de se recentrer. Hein. Donc là c'est peut-être un peu. peut-être un peu grande la police. Donc on va se mettre encore 37, voire. 37, 37, 38, 37, c'est pas mal, ok, on essaye de se recentrer du coup, voilà à peu près, et bah là on va se mettre en blanc, parce que bon, en noir c'est pas très lisible, donc on double clique sur le sélecteur de couleurs, hop, on sélectionne la couleur la plus haute ici, donc qui correspond au blanc, et voilà. Donc, si le repère vous gêne de temps en temps, en appuyant sur les touches Commande ou Contrôle et point-virgule, vous pouvez l'afficher ou euh, le masquer. Vous voyez Ça peut être utile, hein des fois c'est vrai que ça peut être perturbant. Donc voilà. Parfait. On va venir maintenant dupliquer ce, euh, le ruban plus la police. Donc on sélectionne ces deux éléments. On appuie sur Alt pour les dupliquer et là on va venir en appuyant sur shift réduire un petit peu tout ça de façon à vous voyez, disposer Tac, nos éléments nos... enfin cet élément un peu plus haut dans notre euh, création on peut venir si on veut étirer un petit peu aussi le ruban elle hein, nous empêche et du coup la police euh, on va se mettre en, voilà, on peut se mettre en une police, un corps un peu moins important, on peut se mettre en 20 pixels ou en 25. Voilà, donc on essaye de se recentrer aussi. Ok. Alors là, par contre, on voit que les étoiles, elles nous gênent un petit peu. Hein. Donc, pourquoi pas, on peut aussi les réduire. Parce qu'elles étaient peut-être, euh, sont peut-être un peu grosses ces étoiles. Donc on les réduit. Voilà, on les repositionne. Ok. Du coup, bah, on peut tout remonter aussi. Hein. Et notre petit ruban, on peut venir le remonter aussi. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal. Ok. Pas... Au niveau de la durée, la 3h30, euh, on peut peut-être changer. Hein. On peut mettre toute... Euh, toute version. Photoshop toute version. Du coup la police est un peu trop, le corps est un peu trop grand, on peut se mettre en 23 ou en 22. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc là on est bon. On va venir dupliquer encore une fois ces deux éléments. On appuie sur Alt, on les sélectionne, on clique. On appuie sur Alt, on appuie sur Shift, et on vient les mettre juste à côté ici. Voilà. On peut peut-être les ravancer un petit peu. Et lui, qui n'était pas bien centré. Voilà. Donc là, on me laisse toute version aussi. Ok, donc là, c'est pas mal. On peut venir redupliquer aussi ces petites étoiles. Juste en bas et les mettre d'une couleur ben, moins importante, hein, pour les mettre par exemple en gris comme ça. Donc on clique dessus, on prend la pipette, et on vient cibler le gris des rubans. Voilà, on vient de mettre nos étoiles en gris. Alors maintenant, on va pouvoir ben, continuer, hein. on reprend l'outil texte, on clique n'importe où, et là on va venir taper affiche. On va venir changer la police. On vient se mettre en home steed. Et là on va se mettre en inline. On peut élargir tout ça. Augmenter la police. En police, on peut peut-être même se mettre en 85. Voir ce que ça donne. Peut-être un peu grand que euh, on peut peut-être venir baisser, vous voyez, l'échelle horizontale. On peut se mettre en 70. Parce qu'elle est un peu large, hein, cette police. On se repositionne. C'est pas mal. Au niveau de l'approche, on peut peut-être aussi lui mettre une valeur négative. Moins 20, comme tout à l'heure. Ça me plaît mieux, déjà. Voilà. OK, donc ça, on se... On essaye, on essaye de garder vous voyez, les mêmes marges hein, entre euh, ici, 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 à peu près. Hein. Et on fait ça à l'œil. Donc, affiche, on est d'accord. Et là, on va venir créer un deuxième ruban. Alors, de temps en temps, n'hésitez pas à enregistrer un hein. fichier. Enregistrer sous. On peut se remettre sur le bureau et euh, se mettre dans n'importe quel dossier, bien sûr. Et là, dans le dossier illustrator, comme ça, vous pourrez récupérer la source à votre guise. Voilà, j'enregistre en AI. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant. Donc on va créer un deuxième ruban. On va essayer de, euh, bah de le faire assez gros. Hein, Donc on prend l'outil rectangle. Et on vient euh, voilà, créer un ruban à peu près grand comme ça. On peut lui mettre une couleur un peu moins noire, hein, si on va dans le sélecteur. Moi je mets 35, 35, 35 en valeur hexadécimale. Je valide. J'essaye de me centrer par rapport à mon document. Et puis je vais venir... Ah j'aurais dû garder le... mon petit rectangle, c'est pas grave. On peut venir l'étirer peut-être un petit peu plus au niveau de la hauteur. Et je vais venir le redupliquer. Donc je clique dessus. J'appuie sur Alt. Et là, je vais venir le réduire un petit peu. Ici, on peut se mettre dans une couleur un peu plus. Non, on peut se laisser comme ça. Non. Ici, lui, on peut peut-être lui mettre une couleur un peu moins noire. Voilà. Et lui, on essaye de le placer. À peu, près comme... ouais, à peu près comme ça. Donc là, il m'a l'air bien, ce ruban. Je me demande si on ne devrait pas l'étirer un petit peu. Quoique. Non, c'est bien. Donc on va recréer encore une fois un petit triangle. Hein. Donc on appuie sur Alt Shift. On reste droit comme ça. On va le mettre dans une couleur gris clair. Donc là, on peut zoomer. Hein. Encore une fois, on est dans la construction. Donc, on appuie sur Shift. On le fait tourner. Là, on peut le rétrécir un petit peu. On peut peut-être lui mettre l'élargir aussi en hauteur. Voilà. Et comme tout à l'heure, on essaye de le positionner comme ceci. On sélectionne ces deux éléments. Et on redonne un petit coup de pathfinder ici, de soustraction. Voilà. Parfait. Du coup, on essaye de se positionner par là. On clique sur objet, disposition, arrière-plan. Nickel. Et là, ben voilà, on essaye de remonter, de le remonter un petit peu. Voilà. Bon ça c'est peut-être un peu gros. Hein. Pourquoi pas le rétrécir légèrement. Voilà. Et le ruban... Euh... On va le laisser comme ça. Ça me paraît pas trop mal. On peut, si on veut, venir le rétrécir aussi. Après, c'est vous qui voyez. Hein, ça dépend de ce que vous voulez donner comme style au ruban. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors là, par contre, je vais venir le dupliquer encore une fois. Hop, Alt, Shift pour rester droit. Et j'ai envie d'en faire une symétrie. Donc, je viens cliquer, vous voyez, sur le petit euh, outil rotation. Et je viens sélectionner Miroir. J'appuie sur Shift, tac, et je clique tout en le tournant. Vous voyez, et ça me fait un, une symétrie parfaite. Donc nickel, hein. c'est ce qu'on veut. On veut une symétrie parfaite. Donc on utilise cet outil. Là, on est à peu près. On est à peu près bon. Sauf que euh, ça aurait été bien de se remettre, vous voyez, au même niveau, un peu partout. Hein. Tac. Donc on, va, on peut placer des repères, vous voyez, sur chaque côté, hein, pour rester au même niveau. Ce qui va nous permettre bah, de réduire ce bloc. Voilà. Et de repousser légèrement ces deux blocs. Voilà. Donc là, on est bon. On peut venir les remonter. Un chouïa, c'est deux, ces deux petits blocs. Voilà. Alors, soit on reste comme ça, soit on peut aller encore plus loin et appliquer une ombre. Vous voyez, à ce niveau, au ruban. Donc, si on veut appliquer une ombre, je vous conseille de zoomer, de prendre l'outil plume ici, de vous mettre dans le sélecteur en noir et de venir faire un clic, un deuxième clic, et un troisième clic ici. Alors pour rester droit, vous appuyez sur Shift. Tac. Et là, vous voyez, on vient fermer la sélection. Donc vous remettez sur le point d'origine. Et vous voyez, tout en bas de ma plume, il y a un petit cercle qui veut dire bah, là, que ma sélection est fermée. Donc parfait. Et voilà, je viens de créer donc euh, une première ombre. Je peux venir la dupliquer en appuyant sur Alt de le côté et reprendre l'outil miroir hein, on fait shift Toc. voilà on lui donne des petits coups pour la tourner et on se repositionne à peu près ici ok donc là on peut aller un peu plus loin comme ça donc cet élément peut venir venir le recaler comme ceci voilà donc là on est bon voilà on vient de créer notre Petit ruban, parfait. On peut tout sélectionner et cliquer sur Objet Associé. Objet Associé, ben, tout simplement, ça veut dire que euh, tous, ces, euh, tous ces éléments se sont groupés et qu'on peut venir, vous voyez, euh, le déplacer n'importe où sur notre document. Voilà. Le raccourci clavier pour associer, c'est CTRL G. Si vous voulez dissocier, soit vous cliquez sur Objet Dissocié, soit vous cliquez sur Commande ou contrôle Shift et G. Voilà, c'est le raccourci clavier pour dissocier. Je refais contrôle G ou Commande G pour les grouper. Voilà, donc mon ruban est prêt. Donc, je le descends un petit peu. Et là, on va venir, eh bien, taper rétro et vintage. Donc, on va venir reprendre l'outil texte. On clique n'importe où et on va pas taper vraiment rétro vintage. On va taper étro. Vous allez voir pourquoi. Tiret vintage 100 E. On va venir se mettre dans une police différente. Hein. On va se mettre en B basse neuve. Au niveau du corps, on peut euh, on peut lui mettre un corps quand même plus important. On va se mettre en 100, 120 pour voir. Voilà, on essaye de se centrer Tac. par rapport au milieu et peut-être venir lui remettre une, une échelle ben comme tout à l'heure vous savez on est en 88 de mémoire sur formation ouais donc du coup on se remet en 88 et au niveau là de l'approche ben soit on reste comme ça soit on remet une approche à 0 à voir pour l'instant là je me remets à zéro mais euh, non, j'aurais pu rester en moins 20 en fait. Parce que là, l'idée, faudrait que vous voyez le Hétro le Vintage eh ben, soit aussi large que notre petit ruban ici. Donc du coup, au niveau de l'échelle horizontale, on peut peut-être se mettre en 85. Non. On se met en 86. Voilà, donc là, on est à A, à peu près bien. Donc oui, ne pas hésiter hein, de jouer des fois sur l'échelle horizontale, sur l'approche, ça peut être très très utile. Ça, on vient le descendre un petit peu, on va éviter de trop coller aussi les lettres. Voilà, on peut venir dupliquer le Etro Vintage et tout, venir tout sélectionner. Alors, si vous avez euh, l'outil flèche, vous, vous avez juste à double-cliquer, vous voyez, l'outil texte euh, s'active automatiquement. On vient changer le hétro vintage juste en R pour composer le mot. Donc on se place comme ceci à peu près. On appuie sur Shift on vient étirer la lettre. Voilà. Bon, ben. Bah, là, on n'est pas trop mal. Du coup, on peut peut-être se caler au niveau du repère l'étirer un petit peu plus. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu de construction. Tac. On vient le dupliquer le R et on va le changer bah, en E du coup pour le E du vintage. Comme ça, on est sûr là, de si on appuie sur Shift, hein, vous vous rappelez en dupliquant, bah, on reste vraiment sur la même ligne que le R. On peut peut-être tac, écarter un peu le mot. Voilà, lui on le redécale un petit peu. Donc là, c'est tout bon. Alors, on va essayer de faire une, un petit pic aussi, euh, qu'on va venir dessiner donc, directement sur l'illustrator, hein, pour donner un petit effet de style. Donc là, c'est très simple, on va juste reprendre encore... On va refaire un triangle. Voilà, n'importe comment. On va venir, eh bien, euh, le tourner, en appuyant sur Shift, hein, pour que le petit pic aille en direction de la gauche. Et là, on va venir l'étirer, mais à fond. Voilà, comme ça. On vient le dupliquer, ce qu'on a fait. On appuie sur Shift. Tac, on le retourne de l'autre côté, où on fait une symétrie, hein, comme on a appris à le faire il y a quelques instants. Et là, on va venir vous voyez, le rétrécir, voilà, comme ça. Okay, donc là, ça me paraît très bien. Donc là, on a deux éléments. Si on sélectionne ces deux éléments et qu'on appuie, vous voyez ici, dans les Pathfinder sur Réunion, ça va venir eh bien, les grouper. Donc, voilà, ça les a réunis. Donc, si je fais CTRL-Z, Objet, Disposition, Premier plan, parce que là, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il a fait. Ah oui, c'est bizarre. J'ai eu l'impression qu'il me les avait pas réunis. Donc du coup, faites attention de que ce calque soit bien en premier plan. C'est peut-être pour ça. Vous mettez objet disposition premier plan. Voilà, on essaye de se placer comme ceci. On sélectionne et là on les réunit. Et là j'ai toujours pas l'impression qu'il me les ait réunis. C'est peut-être parce que je suis vraiment accolé. Voilà ouais, C'est pour ça. En fait, il me les réunit bien. Vous voyez, on est pile poil au. Il se, che... il se chevauche pas du tout, on est pile poil au bord. Donc, du coup, il réuni... il... on a l'impression qu'il ne les réunit pas. Mais pourtant, ils sont bien réunis. Voilà. Bref, c'était pour vous montrer un autre euh, outil du Pathfinder. Donc là, on peut venir. Tac. Rétrécir tout ça. Et on va venir se positionner à peu près ici. Alors, on peut venir le réduire un petit peu. Si vous trouvez que le pic euh, il a le mérite d'être un peu plus large, ben, on l'élargit. C'est un petit diamant. Euh, C'est assez sympathique. On le duplique. On le met de l'autre côté. On le repivote. Hein, tac. Et puis voilà, ben ça y est. Nos petits pics sont faits. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire un petit texte ici, dans le ruban. Donc, on vient se replacer, on se met en blanc, bien sûr, hein, dans le sélecteur. On reprend l'outil texte, on clique, Tech. on clique n'importe où. Bon, on n'est pas obligé de se mettre en blanc, on le fera après. On va venir taper une composition euh, dynamique. C'est un petit peu gros tout ça, donc on va venir se mettre encore 35 35 voilà là on est pas mal au niveau de, de l'approche on peut peut-être se remettre en zéro hein. et là du coup on va venir se mettre en blanc voilà on se repositionne à peu près au milieu du document Nickel, un petit coup de commande ou de contrôle vi vir point virgule pour enlever les repères. On regarde ce que ça donne. Ok, donc là, ça commence à prendre forme. On vient reprendre l'outil texte. Donc là, ça va aller vite. Hein. On va venir taper euh, vous tout court. On va changer sa police. On va se mettre en 10 Pepsia Regular. Là, on va recliquer sur le double T pour enlever euh, le mode capital. Là, moi, j'ai écrit en capital, donc c'est normal que ça reste en capital. Donc voilà, on vient taper vous. On peut venir grossir le vous. Hein. On peut se mettre, euh, c'est peut-être beaucoup là, 84. On va peut-être se mettre en 65. à mieux. Voilà. Tac. On reprend l'outil texte et on va venir taper euh, "verrez". Vous mettez n'importe quoi. Hein. Là, c'est vraiment histoire de taper quelque chose. Vous verrez donc euh, les polices sont super cool. Enfin, même pas parce que le cool, on va le mettre d'une typo. Enfin, alors vous, donc vous le verrez, les polices sont super cool. On va venir mettre ça en diner fat. Voilà. Au niveau du corps, euh, pff, on peut peut-être euh, baisser un petit peu parce que c'est trop gros. Là, on peut se mettre en 55, voir ce que ça donne. Donc, vous verrez, les polices sont super. Tac. Cool. On va se remettre dans la même police que le vous. Donc on peut dupliquer le vous. Hein, et venir taper. Cool. Voilà. OK. Donc là on est à peu près sur la même ligne. Des fois vous pouvez vous aider des repères hein, pour voir si vous êtes bien droit. Donc là on est bon. Et puis on va venir taper. Eh bien. Euh, une phrase un peu plus longue Tac. alors on peut taper euh, bah on peut aussi alors là, on va venir changer directement la, la, la fonte on va venir se mettre en DOM script et on va baisser le corps parce qu'il est un peu trop gros on va se mettre en 21 pour voir voilà c'est de se recaler à peu près comme ça donc on vient taper, hein. on peut aussi écrire, alors je crois que cette police ne prend pas les accents, ouais, vous voyez c'est un peu dommage donc du coup euh, les accents ne seront pas pris en compte sinon il faut les, faut les refaire à la main donc on peut aussi écrire n'importe quoi c'est pas super important Désolé, hein, je ne sais pas quoi mettre. Hé hey, hé, hey. voilà. J'aime bien cette police, je la trouve très jolie. Elle a du charme. On peut se mettre peut-être en 22 ou en 21,5. Ok. Au niveau de l'approche, on peut se mettre en 10 voire. Ou en 5. Pour essayer de s'aligner par rapport au cool, ok, donc c'est pas super important, hé <laughs> on simule du super euh, faux texte, car il y en a marre. Du l'Orem Ipsum voilà le coup de gueule de la soirée <laughs> ok donc au niveau de l'interlignage on est oh, on n'est pas trop trop mal on peut peut-être baisser un petit peu l'interlignage se mettre en 22 voilà donc l'interlignage c'est l'espacement qu'il y a entre deux lignes ou on peut si peut-être peut-être sous le mettons 25. Voilà. Ok. Donc maintenant il ne nous reste plus grand chose à faire. On peut récupérer le, euh, le petit ruban plus le texte. Donc pour sélectionner deux éléments, on, a, on clique sur un, après on clique sur Shift et on clique sur l'autre élément. Donc on duplique et on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. On se place ici à peu près. Et là, on va se mettre en noir. Donc, on sélectionne le ruban qui est gris, on prend la pipette, hein, on... on sélectionne une couleur noire n'importe où sur le document. Voilà. On peut venir même étirer un petit peu le ruban. Voilà. Et à la place de durer euh, 3h30, on va mettre Êtes-vous prêt Point d'interrogation on se recentre Donc là on peut laisser la même le même corps hein, de police quoi qu'on peut peut-être se baisser, baisser un petit peu se mettre en 35 voilà et nouveau prêt à côté on peut venir bien récupérer le rétro par exemple le diminuer un petit peu et placer une, mettre une autre police hein. Mettre, euh, par exemple, question. Ou un mot, vous mettez n'importe quoi. Toc. Bon, on peut peut-être baisser le êtes-vous prêt, on peut se mettre en 33. Histoire de rétrécir le ruban un tout petit peu. Voilà. Et le question, on peut venir augmenter légèrement sa hauteur, si on veut. Toc. On vient étirer hein, à la souris. Ok. Donc là, c'est pas mal. Par contre, c'est peut-être un peu noir. Alors, on peut prendre un petit coup de pipette et sélectionner une couleur un peu plus grise. Voilà. Question. Donc, j'ai envie de vous dire réponse. Hein. Tac. Voilà, le réponse on peut se remettre en zéro en approche. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de blanc entre le ruban et le mot. Voilà. Là, on est, euh, on est bien. Alors bien sûr, on pourrait encore réduire un petit peu le ruban hein, si on veut. Voilà. Rebaisser un petit peu la police, se mettre en 30. Après, faut vraiment... Euh, ben voilà, on est en pleine composition, donc euh, on fait un petit peu ce qu'on veut. Il hein. ne faut pas hésiter à jouer avec les tailles, surtout dans ce style d'affiche. Et puis ben, en dessous, on va pouvoir euh, dessiner un petit cadre pour mettre euh, tous les réseaux sociaux. À titre d'exemple. Hein. Donc par contre, euh, on peut peut-être venir remonter. Euh, le ruban, cool rétro. On peut venir le baisser un peu. Voilà, on a, il ne reste plus trop de place en dessous. Donc on va essayer de récupérer de la place. Voilà. On remonte tout ça. Ouais. J'aime bien envie de même de refaire une petite séparation, de rajouter, vous voyez, les petites étoiles qu'on avait. Donc, les redupliquer ici. Voilà. OK. Là, on va venir tout sélectionner, sauf par exemple le teammate présent. Hein, remonter. Maintenant, on va essayer ouais, vraiment de regagner, euh, de regagner de la place. On voit que le formation peut peut-être venir le réduire aussi un petit peu. Re sélectionner tout ça remonter hum, ouais bon on va essayer de, de la jouer comme ça donc juste en dessous on va venir prendre l'outil pinceau voilà on se met en noir ici hein, dans le sélecteur en couleur de premier plan et euh, ou non juste avant on va refaire un, un rectangle qui va nous servir de patron, un rectangle à peu près de cette dimension. Donc c'est pas très grave hein, si vous euh, mordez, on va essayer de réajuster tout ça après. Hein. Par contre, on essaye de se mettre en gris un peu plus clair. Et là, donc on reprend le pinceau, on se remet en noir et on va redessiner par-dessus le rectangle. Donc on part de n'importe quel point. On essaye de, euh, de rester à peu près droit. C'est pas très grave hein, si on dépasse, au contraire. Ça va donner un petit style. Voilà. Ne pas hésiter à faire des arrondis. Vous voyez dans les bords. Voilà. Et voilà. Et on repasse. On resélectionne. Bon, du coup, le, euh, le rectangle gris, on peut le supprimer maintenant. Hein, C'était notre patron. On sélectionne ce que l'on vient de créer. Et, vous voyez, donc là, on était en contour. On, euh, on repasse en couleur on switch en fait le contour pour que ça devienne une couleur pleine, donc un remplissage à 100 Donc voilà. Là on en a fait une forme pleine. Par contre, ouais, ça me chagrine. Faut qu'on gagne de la place absolument. Donc le toute version on va pouvoir remonter tout ça. La durée aussi, il va bien falloir qu'on la remonte. voilà après bah on ajuste on est bien obligé là le plus gros effet voilà ok ça on remonte un petit peu et du coup on va pouvoir tout remonter si on sélectionne voilà donc on a encore et eh bien on n'est pas encore bon. Donc, euh, on va pouvoir réduire un petit peu, par exemple, le mot affiche. Hein. On va être obligé de la jouer comme ça. Le rétro vintage, ces trois éléments, on va essayer de les réduire un petit peu aussi. Voilà. Du coup, on sélectionne tout, sauf le E, bien sûr. Tac. Alors, on sélectionne la partie basse, sauf le R et le E, et on remonte, voilà, on est un peu mieux. ça on peut peut-être venir baisser un petit peu le vous » et le cool qui ont une... qui sont en 45 au niveau du corps donc on peut venir les sélectionner un coup de shift voilà on les réduit voilà on essaie de remonter tout ça bon bah ça c'est pas trop mal ça on remonte et du coup bah les étoiles et le reste on remonte aussi pas le choix voilà après c'est vraiment une histoire de marge voilà bon là c'est un peu plus condensé mais euh, bon ça, ça reste encore lisible hein. le team mail présente On peut venir le remonter un petit peu. Voilà. Ok. Et ça on peut venir du coup le baisser un peu. Voilà. Donc là on a une composition pas trop mal. Bah, il nous reste plus qu'à insérer par exemple et euh, eh bien nos réseaux sociaux du coup. Donc on va venir prendre l'outil texte. On tape n'importe où dans le document, n'importe quoi, on sélectionne. Dans notre euh, onglet caractère, on vient chercher la police social logo. On vient se mettre en blanc. Voilà. Et on va venir se positionner ici par-dessus. On peut venir augmenter tout ça. Donc là, en fait, il euh, y a différents euh, réseaux. Donc euh, par exemple, vous voyez, le E, c'est Flickr. Le T c'est twi Twitter. Ou le U c'est Twitter avec un petit oiseau. Il y a le LinkedIn. Ok. Il y en a plein, vous voyez. Après, à vous de mettre ce que vous voulez. un Facebook il y en a plusieurs aussi. MySpace. Et puis on va terminer par un petit YouTube, tiens. Voilà. Bon, j'ai mis n'importe quoi. On se repositionne à peu près au milieu. D'accord. On peut peut-être venir baisser un peu tout ça. Voilà. On est bien. Ce qui va nous permettre, vous voyez, de recomposer un peu la fiche. Tout ce qui était un peu trop collé. Ben, du coup, on redescend. On a R. Ok. Ok. Bon voilà, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop mal après. Donc c'est vraiment à vous de gérer la composition. Ici c'est droit. Ok. Eh bien on enregistre. Et maintenant on va voir comment passer tout ça sur Photoshop. Euh, bah ça va être très 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 simple hein. donc du coup si on se place sur photoshop qu'on crée un nouveau document euh, on se place en format international on est sur de la fiche donc moi je vais rester en a4 puisque bah, tout simplement euh, si je mets du a3 vous allez avoir des sources qui vont être vraiment euh, très très lourdes à télécharger donc bien sûr, après ça dépend du type d'affiche qu'on veut faire. Hein. On peut très bien faire une petite affiche en A4, en A3, en A2, euh, libre à vous. De toute façon, sur Photoshop, il y a différents formats qui sont déjà proposés. Hein. Je reste en A4. En résolution, si vous êtes sûr, euh, vous êtes sûr de l'imprimer. Bah, vous mettez bien sûr en 300, surtout si vous l'envoyez à l'imprimeur. Si vous, euh, vous faites une affiche juste pour de la diffusion sur Internet, eh bien vous, vous mettez en 72 dpi en résolution. Ça suffit pour de l'affichage écran. Donc là, on est en millimètres. OK. On peut se mettre en centimètres et mettre même des valeurs euh, différentes. On fait OK. Hop. Donc voilà notre document, on vient double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Comme sur Photoshop, on va venir afficher les règles si on ne les a pas d'afficher. Ctrl ou Commande R pour les afficher masqués. Un petit coup de Ctrl T sur le calque 0 pour... Eh bien, euh, que la transformation manuelle s'active et vous voyez qu'il y a des petites poignées sur tous les côtés donc c'est ce qu'on veut on vient récupérer comme sur illustrator un repère dans nos règles et voilà on se met au niveau du milieu absolu, voilà, parfait. On va venir récupérer euh, dans notre dossier source notre texture vintage. On fait ouvrir avec Photoshop. Là, on peut lui euh, appliquer un mode image rotation 90 horaires ou anti horaire ou anti-horaire comme on veut. Un petit coup de contrôle C pour la copier cette texture et un petit coup de CTRL V pour la coller. Donc ici j'ai fait CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Vous voyez que j'ai ma sélection ici qui apparaît. Commande C pour copier. Hein. On se remet sur notre document et commande V pour coller ou CTRL V bien sûr. Un petit coup de CTRL T sur ce calque qui vient d'importer. Vous voyez qu'il est un peu trop grand par rapport à l'espace de travail, hein. donc pas de problème, on appuie sur Shift pour rester droit, on diminue tout ça. Voilà, il reste, il est encore un peu grand ici, donc pourquoi pas. Hein. On va venir écraser tout ça pour lui donner le format de notre document. Ok, là le fond est fait. On va créer un nouveau calque. Et dans ce, sur ce nouveau calque, on va le remplir d'une couleur un peu crème. Hein. Alors euh, voilà, moi je me mets en CDC8BC. Vous mettez ce que vous voulez. On fait édition, remplir. Voilà, donc on se met bien ici en premier plan, la couleur crème, couleur premier plan, on fait OK. Et on va venir jouer sur les modes de fusion. Donc on clique bien sur le calque 2 que l'on vient de créer. On clique donc ici sur normal et on vient sélectionner couleur. Voilà, vous voyez Donc là, pour moi, c'était un peu trop jaune. Donc du coup... Le document prend bien la couleur que l'on vient de créer, mais garde la matière en fait, vous de, euh, de l'arrière-plan. Donc c'est très très bien. Maintenant, on va venir retourner dans Illustrator. Et là, je vais vous proposer deux solutions. Soit on vient tout sélectionner. On clique, enfin on appuie sur CTRL-C ou CMD-C pour copier. On retourne dans Photoshop. On se met ici bien en premier plan et on fait... Ctrl V pour coller et on se met bien en objet dynamique pour garder euh, le tracé vectoriel de d'Illustrator. On fait OK et on valide. Donc le fait d'avoir gardé les tracés d'Illustrator, donc si on refait Ctrl T pour transformation manuelle, vous voyez qu'on peut venir étirer euh, ce calque à l'infini sans pour autant qu'il perde en qualité. Donc c'est pas mal comme ça, on peut se mettre en mode produit en mode de fusion produit pour donner un style un peu plus sympathique et pourquoi pas venir réduire un petit peu tout ça en appuyant sur CTRL T et en appuyant sur SHIFT hein, on vient réduire tout ça pour garder les proportions on affiche le repère en faisant commande h si on l'a enlevé Donc commande h ou CTRL H c'est pour afficher ou masquer les repères sur Illustrator c'était commande ou CTRL point virgule sur Photoshop, c'est commande ou contrôle H. Voilà, faut vous rappeler de ça. Donc, soit on fait comme ça, euh, du coup, après, on peut venir peut-être baisser un peu l'opacité, vous voyez, du calque crème que l'on vient de créer, pour garder... Euh, pour... Euh, que le jaune du papier, en fait, de la texture, apparaisse un petit peu dans le document. Voilà. Donc, soit on fait comme ça, soit... Il y a une autre euh, méthode qui peut être bien sympathique, c'est donc on retourne sur Illustrator et là on va venir sélectionner tous les mots qui se trouvent dans les rubans. Voilà ici donc toute version, durée, toute version, composition dynamique, êtes-vous prêt Et pourquoi pas même les réseaux sociaux. Donc là, normalement, c'est OK. Et on va venir vectoriser tout ça. Donc attention qu'on va vectoriser les polices, on ne va plus pouvoir les modifier. Pour vectoriser une police, on appuie sur Ctrl, Shift et O, ou commande Shift et O. C'est le raccourci clavier. Là, vous voyez tous les points d'ancrage hein, qui se sont faits autour des lettres. Donc là, maintenant, on ne peut plus du tout modifier les lettres. Les mots, les groupes de mots. Donc, peut-être faire une deuxième version, hein, euh, l'enregistrer une deuxième euh, sous un autre nom si vous voulez garder cette version et aussi sauvegarder ben, la version avec les polices non vectorisées. Donc, pourquoi on a fait ça Parce que comme tout à l'heure, hein, on va venir sélectionner donc, le ruban et le, les mots toute version et on va venir cliquer sur soustraction. Donc là, on voit pas grand chose, mais si je me mets en rouge et que je crée un rectangle comme ceci et que je me mets en objet disposition arrière-plan, voilà. Donc vous voyez que maintenant le, euh, la police est bien soustraite à mon calque d'arrière-plan. Et du coup, bah voilà, on peut venir euh, s'amuser à, à mettre de la couleur en arrière-plan. Voilà. Et ça, on va faire pareil un peu partout. Hein. Tac. On clique sur les éléments, on soustrait. Donc là, on peut dégrouper le ruban en appuyant sur soit objet euh, dissocié, soit, comme je vous ai appris, le raccourci clavier, ctrl Shift g pour tout dissocier, ou commande Shift g Ici, pareil, tac, on soustrait. Le ⁇ êtes-vous prêt ⁇ et le ruban, on soustrait. Et les réseaux sociaux et le, ce petit cadre aussi, on soustrait. Euh, je suis gouré. On soustrait voilà du coup maintenant si on en on sélectionne tout un petit coup de contrôle ou de commande c'est qu'on retourne dans photoshop donc ça je peux le masquer qu'on recolle ici on peut réduire un petit peu voilà donc là vous voyez vu que ces formes maintenant sont creuses, bah on peut venir euh, voyez, jouer avec la matière par exemple, etc. Et du coup, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est euh, bah d'appliquer un dégradé à ce calque. Euh, donc du coup, on peut peut-être baisser, euh, réduire un petit peu tout ça encore. Voilà, à peu près comme ça. Alors pour créer un dégradé, vous allez voir que c'est très simple. On double-clique sur l'objet dynamique. On vient cliquer sur Incrustation en dégradé. Et là, on vient cliquer sur le dégradé directement. Et là, on va, le, on va faire un dégradé en trois étapes. Donc avec la souris, on vient cliquer n'importe où, à peu près sur, euh, sur euh, la zone de dégradé. En position, on se met à 50%, milieu absolu. Ici, donc en noir qui correspond donc au bas de la euh, l'affiche, on va venir se mettre, pourquoi pas, on va mettre une couleur dans les bleus, euh, dans les bleu-verts. Donc on va se mettre 3 F4 C5 2. Voilà un bleu-vert foncé. On fait OK. Au milieu, on va plutôt se mettre dans des couleurs un peu plus chaudes, hein, un violet, un rouge un peu. Euh, donc on va se mettre en 8C, 6, 7, 6E, pardon. Donc 8C, 6, 7, 6E. On valide et à la place du blanc, on va se mettre en 6, 1, 5, 7, 5, F. Donc une couleur violet mais un peu plus foncée. Quoi. Voilà. Et on fait OK. Et on valide. Donc là on a quand même un résultat qui est assez satisfaisant. On va pouvoir maintenant ben, lui appliquer des petites textures. Hein. Donc on peut créer un nouveau calque. Si on veut, on va venir prendre le pinceau. Et en fait, vous voyez que si donc on sélectionne le pinceau au niveau des formes, ici, on peut venir ajouter les formes que les broches que l'on a installées. Donc vous avez la grunge ainsi que la secrète Villiane. Euh, donc on, vous cliquez dessus. Sur les deux. Et puis, euh, ils vont, vont, Photoshop vous demande voulez vous ajouter? Vous faites ajouter OK. Et ça va vous ajouter ici aux formes prédéfinies. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formes, euh, donc là avec des, euh, des épaisseurs assez grosses, qu'on peut venir baisser si on le souhaite. On peut venir se positionner euh, ici dans le secteur, lui mettre une, une couleur, un gris foncé, hein, si on se met en 5D4E4B euh, par exemple. On est sur du violet assez foncé. Et vous voyez, après, on peut venir, si on, ben, si on veut, donner des petits coups de clic pour donner des petits effets déstructurés à l'image. Voilà, vous voyez, il y en a plein qui sont prédéfinis. Après, moi, je vous laisse vous amuser. Il y a plein de trucs, plein de brushes assez sympathiques, vraiment. Dont une qui est aussi qui est assez cool, c'est celle-là, je trouve. vous fait des petits traits... Voilà. On peut venir s'amuser. Bien sûr, ne pas hésiter à changer la couleur. Passer par exemple en mode produit aussi ce calque, vous voyez, pour encore plus accentuer cet effet. Donc voilà. Euh, sinon, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est recréer un nouveau calque, se mettre en blanc, reprendre donc nos brushes, et là, on peut venir regarder au niveau je crois que c'est de cette, cette broche, si on baisse un petit peu son épaisseur vous voyez on vient donner des petits coups sur les polices donc on peut du coup se mettre en incrustation ou en lumière tamisée pour venir salir un petit peu euh, la police faut tester toutes les broches, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Après d'origine, elles sont assez grosses donc euh, ne pas hésiter à les baisser à baisser leur épaisseur, vous voyez Appliquer un peu n'importe où sur le document. En incrustation, ça se voit un peu plus. Voilà, donc euh, amusez-vous. À en mettre un petit peu partout voilà. donc. sinon si vous tapez sur, euh, bah, sur google brush grange euh, destroy je pense que vous allez euh, en trouver des, bah, des pas mal donc, euh, donc voilà Là on est à peu près bien. Hein. Ok. Si vous voulez accentuer un petit peu plus le ruban, vous voyez là il a perdu son ballon qu'on avait créé tout à l'heure. On peut revenir sur Photoshop, hein. resélectionner le petit carré ici, enfin le petit triangle. On revient sur euh, Photoshop. On le recolle en objet dynamique. Toc. Ici, mais du coup, on va être obligé. De le diminuer légèrement. Hein. Voilà. Et euh, bah on peut double-cliquer sur le calque. On clique sur incrustation de couleur. On cible la couleur bah, violet euh, foncé. Hein. Et vous voyez, on vient chercher un peu plus bas une couleur plus sombre. Donc là, ça ne me paraît pas trop trop mal. Hein. Diminuer un chouïa. Voilà. Ok. Donc là, notre banc, il est un, un peu plus mis en valeur. Donc, comme Illustrator, on duplique, on appuie sur Alt Shift pour rester droit. Ctrl T. Et là, on fait. Donc, on fait Ctrl T sur ce calque hein, qu'on vient de dupliquer ou commenter, clic droit n'importe où. Symétrie horizontale. Voilà, parfait. On vient de faire notre euh, un petit miroir de la forme. Et voilà, puis on le cale là, par exemple. Donc, euh, bah voilà, là, on vient de... C'est déjà pas mal, hein, on a une belle affiche. On peut venir accentuer un petit peu plus euh, les rebords, par exemple, du document. Donc, euh, là, je vais venir éteindre ce calque exprès, parce que là, je vais me mettre sur mon calque 0, donc j'éteins mon calque de matière, et je vais venir cliquer sur filtre, correction de l'objectif, personnalisé, et je vais venir lui donner un peu d'assombrissement dans les coins, vous voyez, donc j'augmente... Légèrement cette valeur, enfin je le diminue même. Voilà, je fais OK. Et là vous voyez, si je fais CTRL Z plusieurs fois, commande Z, bah, les coins se sont bien assombris. Je peux rallumer mon calque, et pourquoi pas venir vous voyez, le baisser un petit peu, baisser son opacité. Voilà, pour garder, pour assombrir un peu plus les coins. Ça se voit pas trop. On aurait pu le faire sur le calque 1 aussi, hein, si on rapplique cet effet sur le calque 1. Donc pour appliquer le même effet, on, on appuie sur les touches contrôle ou commande et f. Ça rapplique le dernier filtre, vous voyez, donc euh, que l'on vient d'appliquer. Donc ici, correction de l'objectif. Ça le rapplique directement sur notre calque 1. Voilà. C'était peut-être un peu trop poussé. Peut-être un peu trop poussé, si on fait filtre, correction de l'objectif, personnalisé, on peut lui appliquer bien sûr un vignettage, mais un peu moins important. Par exemple, on se met en moins 25, ça devrait suffire. Ok. Ouais, voilà. Ça me plaît mieux. Donc maintenant, si on veut appliquer une version noir et blanc, on va venir dupliquer bah, notre calque avec euh, toutes nos informations, toutes nos typos. Donc on clique sur ce calque, on le fait glisser à côté de la petite poubelle. Du coup le calque ici en arrière-plan on peut le masquer en appuyant sur l'œil et on va venir juste en dessous donc, de l'objet dynamique que l'on vient de copier, euh, créer un nouveau calque. On va venir créer, on va prendre l'outil de sélection, un hein, rectangle, on va essayer de faire un, une sorte de rectangle, de cadre, et on va lui donner une valeur euh... bah, une valeur foncée, hein. on va se mettre en 5D 4E4 B voilà et on remplit tout ça en faisant édition remplir ou le raccourci clavier c'est shift et retour retour c'est la touche qui se trouve au dessus de la touche entrée donc shift retour voilà c'est un petit raccourci aussi bien utile on fait ok du coup notre objet dynamique bah ça va plus trop hein on peut double-cliquer dessus. Et dans l'incrustation de, dé de dégradé, on va changer tout ça, les propriétés. Donc là, on va peut-être en mettre que deux. Ça sert à rien d'en mettre trois. Donc pour enlever celui du milieu, on clique et on descend notre souris vers le bas. Voilà, on vient de le supprimer. On va pouvoir se mettre par exemple en, en crème ici, vous voyez, en bas. Et euh, en haut, bah, pff, en crème, crème blanc. Voilà. Pas forcément un blanc pur mais une couleur un peu plus claire que, que la couleur crème que l'on vient d'insérer on fait ok voilà maintenant on va venir on va dire pourrir un petit peu euh, bah, les euh, notre calque 5 là que l'on vient de créer hein, lui donner parce que là c'est un peu trop droit tout ça donc grâce au brush on va venir euh, déstructurer tout ça donc par contre on peut peut-être se mettre en produit voilà donc on clique dessus, on clique sur les modes de fusion, on clique sur produit, on reprend le pinceau, et là on va venir reprendre bah, certaines formes. On vient s'amuser, vous voyez, toc. On reprend des formes, on clique n'importe où, enfin pas n'importe où, mais on essaye de, voilà, de déstructurer tout ça. Voilà. Alors bien sûr, on peut si on veut euh, baisser l'épaisseur. Voilà. Donc le, là, il y a quand même pas mal de formes. Hein. On peut, euh, on a de quoi faire. On peut s'amuser. Là, on baisse un petit peu l'opacité, l'épaisseur. Voilà, voilà. Tic. voilà vous voyez déjà la forme elle est plus euh, vraiment rectangulaire on est plus dans l'ambiance on peut même repasser plusieurs fois vous voyez sur la forme on clique on reclique on reclique voilà après bon, si on trouve que ça fait un peu pâté en bas, on clique ici pour faire un masque. Voilà, donc on se met bien sur le masque, on se met en noir en premier plan. Et on va garder la même forme, vous voyez. Tac, on va redonner des petits coups. Tac, par exemple. On peut reprendre une autre forme différente. Hein. Bon, il y en a qui sont euh, moins bien adaptés que d'autres ça par exemple voyez toc c'est pas trop mal ok bon on va s'arrêter là après euh, après faut c'est à vous de vraiment vous amuser euh, si vous voulez renforcer encore un peu plus euh, bah, le fond bah rien ne vous empêche de recréer un nouveau euh, un nouveau calque avec et mettre une couleur euh, Marron un peu plus importante et refaire exactement la même chose. Voilà, vous venez assombrir tout ça. Bon, là, ça se voit pas trop, mais on peut se mettre en produit. Voilà, vous voyez. Du coup, là, ça se voit beaucoup plus. Et voilà, on refait pareil. Enfin, bon. Maintenant, euh, c'est vraiment à vous de vous amuser avec ça. Et voilà. Donc, euh, si c'est trop foncé, vous baissez un petit peu l'opacité de tout ça, vous voyez. Etc. Etc. J'ai pas envie de vous, le, de vous quitter, vous voyez. Hein. J'ai envie de terminer l'affiche avec vous. Donc, voilà. Bon, je vous ai promis, là, je m'arrête là. Euh, donc, si au niveau ici, vous voyez des, du ruban, donc on peut peut-être euh, venir lui mettre une couleur marron, parce que le violet. C'était pour tout à l'heure. ou là, on clique sur la couleur euh, crème et puis on vient lui mettre une, une, euh, une couleur un peu plus sombre. Voilà, je vais faire pareil pour ce calque. Je vais reprendre la pipette. Tac. Et voilà. On aura peut-être pu même se mettre. On en a un peu plus foncé. Et lui, refaire la même chose. Et voilà. Donc voilà, pour revenir donc à la version précédente, hein, on a juste bah, maintenant à éteindre les calques en question. Rallumer celui-là. Et euh, bah pourquoi pas après, ben bah, effectivement, il faudra revenir sur les petits euh, ces petites ombres. Ici à chaque fois. Je sais que ça va être chiant. Mais pas le choix. À moins de les dupliquer. Et, euh, et de garder la version pour la couleur, no pour le noir et blanc et la version couleur. Voilà. Alors, une petite astuce aussi qui, euh, qui est bon à savoir. C'est une fois que vous avez fait tout ça, bah vous pouvez appuyer sur Ctrl et A ou Cmd et A pour tout sélectionner. Et cliquer sur Ctrl, Shift et C pour copier avec fusion. Donc, pour copier l'ensemble de la sélection. Créer un nouveau document. Coller ça dedans. Et puis après, ben jouer euh, par exemple sur les niveaux. Hein, si on appuie sur CTRL et L, vous pouvez jouer sur les niveaux de la fiche. Voilà, par exemple, rebooster un peu les blancs. Les noirs, si on veut les diminuer, bon, on les diminue. Le, les, euh, la, les valeurs de gris, ben pareil, soit on les augmente, soit on les diminue. Voilà, on peut vraiment venir rebooster un petit peu toutes les couleurs. Vous voyez, si on fait CTRL Z. Là, il y a un peu plus de, pê de pêche. Donc, euh, voilà, petite astuce euh, à connaître. Donc, voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas à me les poser dans les petits commentaires YouTube ou par mail. Vous m'envoyez un petit mail à damien.team8.fr. Si vous avez aimé ce tuto, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos. N'hésitez pas à partager avec vos amis, avec vos, votre famille, à partager sur Facebook, sur Twitter, etc. Plus on est de fou, plus on rit. Je vous retrouve bah, très vite hein, pour un prochain tuto. Euh, généralement, là, on essaye de, euh, de produire un tuto gratuit par semaine. Chose qui n'est pas très évidente en ce moment parce qu'on est pas mal surchargé avec le boulot. Mais on essaye de s'y tenir. Donc euh, voilà, pour l'instant, depuis quelques semaines, on arrive à produire un tuto par semaine. Espérons que ça dure. Je vous dis à très vite, à bientôt.